Oui, là, ça a changé. Procès verbal ordinaire du conseil de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot, convoqué à Sainte-Hélène ce mardi le 12 janvier 2021. Ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour et nous avons deux points à rajouter. 6.6, achat de tableau électronique et afficheur. Et le point 9.1A, ouverture de soumission usine aux usées, refusée non conforme. On va prendre un proposeur et un secondaire. Martin Thieu. Martin et Mathieu. Adoption des procès-verbaux. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Ça va prendre un proposeur et un secondaire. Martin. Grégin. Martin Grégin. Point 5, on n'a pas eu aucune question déposée. Non. Il y a des questions, on n'a pas de questions. Point 6, administration et finances. 6.1, compte à payer. Vous avez pris connaissance de la liste des comptes à payer. On va prendre un proposeur et un secondaire. On attend. Mathieu. Les clôtures qui ont été réparées, le soccer, puis c'est bien. C'est bien. Bertrand? Oui, c'est les clôtures. Il y avait peut-être environ 75 pieds. Ça tout, les poteaux, ils ont tout canté par la gelée. Fait que c'était supposé être fait cet été, mais ils ont fait au mois de décembre. Ça va te tenir, j'espère. Oh oui, ça ne voulait pas. Là. C'est bon. 6.2, c'est un dépôt, l'état comparatif. 6.3, assurance générale 2021, considérant le renouvellement des assurances pour la municipalité pour l'année 2021. Il est résolu à l'unanimité d'autoriser le renouvellement des assurances générales de la municipalité auprès de la MMQ au coût de 60 194 avec taxes. On va prendre un proposé, un secondaire. Martin. Déjà. Point 4, c'est un dépôt, liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 avec un même contracteur lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 pour 2020. 6.5, c'est un dépôt, rapport annuel 2020 pour l'application du règlement de la gestion contractuelle. 6.6, achat d'un tableau afficheur électronique au montant de 28 350 avant taxe. On va prendre un proposeur et un. Régent. Et Jonathan. Point 7, travaux publics. 7.1, travaux de rapiessage 2021, appel d'offres sur invitation. Il est résolu à l'unanimité d'aller en appel d'offres sur invitation pour les travaux de rapiessage l'année 2021. On prend un proposeur et un secondaire. Martin. Pierre. Ouais. 7.2. Travaux de resurfaçage 2021. Ferrarin. Appel d'offres sur SEAO. On va prendre un proposeur et un secondeur. Régent. Mathieu. Mathieu. Point 8, sécurité publique. 8.1, sécurité du Québec, priorité d'action pour l'année 2021-2022. Considérant la correspondance du 3 décembre 2020 en lien avec le titre de la résolution, il est résolu à l'unanimité que les priorités d'action 2021-2022 pour la municipalité soient priorité 1, opération radar ciblée 2e rang, 3e rang, rue principale. Priorité 2,
patrouille, présence active dans les lieux publics définis et lors d'événements annuels. Et priorité 3, chronique de prévention. On prend un proposeur et un secondeur. Pierre. Pierre et? Léger. Peux-tu leur demander aussi de revenir faire une couple de fois la ronde devant le Henri-Paul Forêt pour les deux nouveaux stops qui ont été installés? Oui. Julien, on peut le rajouter. Oui. 8.2. Service incendie, demande du mois. Considérant les demandes formulées pour le service incendie émis par Francis Rajot, directeur service incendie, présenté au conseil municipal. On va prendre un proposeur et un secondeur. Martin. Pierre. 8.3. Service de sécurité incendie, embauche pompier formé, Dany Laliberté. Il est résolu à l'unanimité d'embaucher M. Dany Laliberté à titre de pompier formé au service de sécurité des incendies. Ça va me prendre un proposeur et un secondeur. Régent. Mathieu. Point 9, hygiène de milieu. 9.1, usine des eaux usées, temporaire, entretien. Il est résolu à l'unanimité de mandater la firme Nordito pour l'opération et l'entretien de l'usine des eaux usées, temporaire, au coût de 1 900 plus taxes pour l'année 2021. On prend un proposeur et un secondeur. Yeah. Emmanuel, qui est le deuxième? Martin. OK. Point 1A. Ouverture de soumission usine eau usée. Refusée non conforme. On va prendre un proposeur et un secondeur. Jonathan. Régent. Point 2. Deuxième appel d'offres, usine de traitement des eaux usées, ingénieur contrat. Il est résolu à l'unité d'octroyer le contrat pour retourner en appel d'offres pour la construction de l'usine de traitement des eaux usées avec la compagnie Water Outling au montant de 14 400 avant taxe. Ça va prendre un proposeur et un secondeur. Régent. Et Jonathan. Ouais. Okay. 9.3. Construction usine des eaux usées, deuxième appel d'offres. Il est résolu à l'unanimité d'autoriser la compagnie Water Outling à aller en deuxième appel d'offres sur SEAO pour la construction de l'usine des eaux usées sera situé au 425 Chemin Hébert. Un proposeur et un secondeur. Pierre. Jonathan. Régent. Régent ou Jonathan? Jonathan. Jonathan, parfait. Point 10, aménagement et urbanisme. 10.1, règlement 570-2020, création d'un comité consultatif d'urbanisme. Considérant qu'à raison des décrets 2020-2020 du 30 septembre 2020 et du décret 1039-2020 du 7 octobre 2020, le Conseil a tenu la séance de huis clos. Il n'y a pas eu, excuse-moi, je me suis trompé. C'est la création. Ça va prendre un proposeur et un secondeur. Martin. Yeah. 10.2, traitement des membres partant du comité consultatif urbaniste. Considérant l'article 6 sur le traitement des membres partant du règlement 570-2020 pour la création d'un comité consultatif d'urbanisme, il est résolu à l'unanimité que 30 $ soient octroyés pour chaque présence
comme membre votant autre que les élus municipaux au comité consultatif. On prend un proposeur et un secondaire. Je vais juste me retirer de mon siège parce que mon père est sur le CCU. Il pourrait toucher une allocation. Non, parce que ça ne touche pas les élus. Oui, c'est ça. Il n'est pas élu non plus. OK, OK. C'est que je me retire et je reviens tantôt. On prend un proposeur et un secondaire. Martin. Et Jonathan. Ça va aller pour le 10.10.3. On va attendre que Mathieu revienne. Mathieu est revenu. Oui. 10.3. Projet de DR, approbation de résolution 245-12-2020, vente et participation monétaire. Il est résolu à l'unanimité que la résolution pour la vente de la partie du lot 6,284,594 et participation monétaire partie du lot 1,960 pour la piste cyclable et les murs coupe-son. Et il est résolu à l'unanimité d'autoriser la signature du maire Stéphane Hébert conjointement avec la direction générale civilienne de tous les documents en lien avec la promesse d'achat et les documents notariés pour la vente à la compagnie Vision DR. On va prendre un proposeur et un secondeur. Jonathan. Pierre. Point 4, cours d'eau, Cuboette, branche 71. Demande d'intervention. Il est résolu à l'unanimité qu'une demande d'intervention soit expédiée à la MRC des Mascoutins pour le cours d'eau, Cuboette, branche 71. On va prendre un proposeur et un secondaire. Martin. Pierre. Projet déplacement maison et aliénation 91-61-34-30-Québec-Inc. Il est résolu à l'unanimité d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTEQ à une demande de la Commission de protection du territoire agricole représentée par M. Sylvain Petit pour le déplacement d'une résidence. L'aliénation d'un terrain. Ça va prendre un proposeur et un secondeur. Régent. On a Régent et. Jonathan. Point 11. Loisirs et culture. 11.1. Installation et installation des protecteurs, terrain des loisirs, de chaque côté de la future patinoire de hockey bottine. Il est résolu à l'unanimité de faire l'achat pour les filets protecteurs au terrain des loisirs de chaque côté de la petite patinoire de hockey bottine, incluant l'installation par la compagnie clôture Hightech au coût de 5 050 plus taxes. L'installation se fera au printemps 2021. On prend un proposeur et un secondaire. Régent. Jonathan. Point 12, sujet divers. Aucun. Point 13, aucune question n'a été déposée. Point 14, levée de la séance. Mathieu. Joe est pas très vite. C'est Jonathan. C'est Mathieu. Ah, oh, c'est bon. La on ne battra pas là-dessus. En séance, un levée, Stéphane? Oui,